Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube où nous parlons de Sevelmash. Je suis Alexandre Souderev et nous sommes près du bâtiment du BTUI. Je voudrais préciser de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Nous parlerons du fait que les différentes visites des services de surveillance de la société Sevelmash ont commencé. Et je vais vous également expliquer comment cela s'est déroulé et quelles sont les conséquences qui nous attendent à l'avenir. Maintenant, nous sommes juste à côté de nos quatre transformateurs. Voici le premier transformateur et le deuxième transformateur, par exemple. Des portes coupe-feu avec des grilles correspondantes ont été installées. Des écriteaux indicateurs ont été apposés, puis tout à l'intérieur a été préparé. En ce jour, l'une des organisations de vérification a procédé à une inspection approfondie de ces locaux et a formulé un certain nombre d'observations. Ces observations ont été corrigées dans les plus brefs délais. Maintenant, vous voyez un aspect déjà achevé. Et hier, le même organisme de surveillance nous a délivré un permis selon lequel nous sommes autorisés à raccorder le système d'électricité du bâtiment à la ligne de 10 kV. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et en effet, il existe déjà un plan d'exécution des travaux. Dans quelques jours, nous allons effectuer le raccordement électrique du BTUI. J'espère que nous réussirons et que l'électricité dans le bâtiment sera alors connectée selon un schéma permanent bien vérifié. Je suis désolée de cligner des yeux de temps en temps, parce que le soleil est très lumineux et où que l'on tourne, il tombe toujours directement dans mes yeux. Mais pour revenir aux travaux qui sont en cours à ce jour, nous allons les voir ensemble et vous pourrez comprendre vous-même ce qui a été fait et ce qui ne l'est pas encore. Ici, vous pouvez voir un entrepôt avec des structures métalliques qui sont utilisées dans l'installation de communication de ventilation. Je pense que ceux d'entre vous qui ont regardé nos vidéos précédentes se rappellent que cet entreposage était assez grand, mais à présent, il ne reste qu'une petite partie du matériel. En fait, tout ce matériel a été monté au deuxième étage de la partie de production et son installation est en cours. C'est-à-dire que les travaux dans cette direction sont presque achevés, ce qui est d'ailleurs visible. En outre, nous sommes maintenant sur l'asphalte, mais là-bas, nous voyons que la couche protectrice d'asphalte a été enlevée. Je vous rappelle que dans cette zone, la couche protectrice d'asphalte a été posée littéralement dans les dernières heures avant le gel et la chute de grandes quantités de neige. Cette couche d'asphalte nous a permis de protéger le chantier de la boue et d'économiser des fonds car nous n'avions pas besoin d'installer des points de lavage pour les roues de nos voitures. Cependant, en général, nous avons pu effectuer librement les travaux d'aménagement en cours, ainsi que les travaux d'installation et de stockage de différents matériels dont nous aurons besoin à l'avenir. Maintenant, vous voyez que l'asphalte a été enlevé. Ensuite, les ouvriers effectueront un nivellement et le compactage du sol, et puis la couche d'asphalte sera restaurée. Parallèlement à cela, une bordure en pierre est en cours d'installation conformément au marquage prévu par le projet. L'installation de la clôture du terrain est déjà en cours. À noter que cette clôture a été déplacée afin que son emplacement corresponde au projet. Les portails d'entrée ont été installés. Toutes les communications pour la connexion des systèmes automatisés ont été préparées.
Nous devrons également effectuer les travaux pour reconstruire la chambre pour connecter le deuxième point de raccordement d'eau. C'est-à-dire que l'alimentation en eau froide a déjà été connectée dans le bâtiment et qu'il fonctionne. Cela a été effectué par le point de raccordement qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Mais ici, nous devrons reconstituer la chambre, effectuer un trou technique en dessous du tuyau de chauffage, et une fois que ce sera fait, ce travail sera également terminé. Ce sera le moment où les principaux travaux de viabilisation complexes et extrêmement importants seront achevés. Pendant que nous sommes dans cette partie du bâtiment, il convient de noter que l'aménagement du terrain se poursuit également. La plantation de beaux érables rouges est en cours. Les mêmes arbres ont été plantés sur une grande partie de la zone économique spéciale, c'est-à-dire que tout est dans le même style. C'est vraiment très pittoresque. Nous voyons que des stations de recharge de véhicules électriques ont été installées. Pour le moment, il y en a 4. Nous pouvons également voir les câbles sortant de la terre pour connecter des systèmes. Et dans l'ensemble, des travaux que nous devons effectuer ne sont pas nombreux. Je pense que dans un proche avenir, nous serons en mesure de tourner pour vous une autre vidéo au cours de laquelle nous parlerons déjà des travaux achevés. On va se déplacer à l'arrière de notre terrain pour voir ce qu'il y a là-bas. En nous déplaçant ici, nous voyons naturellement le centre froid, qui est une structure monumentale, et le niveau de sa préparation est extrêmement élevé. Les travaux seront bientôt terminés. En outre, si nous regardons les tours de refroidissement sèche, non seulement la fixation a déjà été effectuée, mais les communications souterraines ont déjà été posées et l'isolation thermique réalisée en plusieurs couches est en cours. Nous voyons ici un matériel spécifique et une ondulation protectrice qui vont protéger toute cette structure des précipitations. En outre, nous voyons que le travail se poursuit pour installer une bordure en pierre. Le socle est coulé avec du béton et la bordure est alignée. Ici, vous voyez que des joints spéciaux ont été installés entre les pierres de bordure, c'est-à-dire que le travail est également effectué à un assez bon rythme. Eh bien, nous nous sommes déplacés à l'arrière du BQI, sur notre quai de chargement-déchargement, et nous voyons beaucoup de choses intéressantes et encore une fois un grand nombre de matériel entreposé et même des cabanes de chantier. Pourquoi tout cela? Cela est dû au fait que nous avons renforcé les travaux et attiré un nombre supplémentaire d'ouvriers pour effectuer des travaux d'aménagement afin de réduire au maximum les délais d'achèvement de la construction. Par conséquent, cet espace est maintenant utilisé de cette manière. Nous voyons aussi une grue. À noter que des panneaux transparents viennent d'être livrés sur le chantier. C'est pour la construction d'un écran de protection contre les vibrations et le bruit. Autrement dit, un écran anti-bruit. Cela est nécessaire pour isoler nos voisins du bruit qui sera créé au cours du fonctionnement de l'entreprise. Et bien sûr, c'est l'une des exigences des organes de contrôle. Parce que, avouons-le, nous sommes tous en contact les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre. Nous sommes voisins les uns des autres. Et là où les droits et la liberté de l'un se terminent, les droits et la liberté de l'autre commencent. Il faut donc vivre des façons conviviales et amicales avec tout le monde. Allons voir. La clôture qui avait été installée précédemment par Technopolis a été démantelée. Un chemin de câble y est resté, mais sera bientôt déplacé. Les supports seront démantelés sous peu et ensuite nous allons installer nos propres supports. Nous voyons au loin les fondations coulées en béton et déjà imperméabilisées. Pourquoi sont-elles aussi fondamentales et différentes de ce qui existe maintenant? Si nous voyons ici, c'est une clôture démantelée, c'est une grille en fait. Naturellement, quand de fortes rafales du vent soufflent, il n'y a pas d'effet de voile car le vent passe à travers. Dans notre cas, il s'agit d'une clôture aveugle, d'un écran, qui est assez grand d'ailleurs, et pour qu'il ne se déplace ni du côté de nos voisins ni du nôtre, quelles que soient les conditions météorologiques, nous effectuons ces travaux. Par conséquent,
Disons que nous devrons encore creuser un peu le sol, mais il s'agit toujours de touches finales. Maintenant, nous sommes montés au deuxième étage de la partie de production du bâtiment. Ici, nous voyons que les systèmes de ventilation sont installés aux emplacements prévus. Les ouvriers s'occupent également du câblage électrique à faible courant. L'éclairage est déjà installé selon un schéma permanent, ainsi que des panneaux de contrôle et les systèmes d'automatisation. Autrement dit, il y a encore pas mal de travail ici. Il faut effectuer la mise à la terre. Si nous entrons ici, nous verrons un autre équipement qui est assez volumineux. C'est-à-dire que tout le deuxième étage commence maintenant à vivre différemment, avec tous ces travaux qui sont en cours. Allons-y. Je voudrais continuer, je ne sais pas si quelque chose sera visible ou non, mais prêtez attention à la monumentalité de tout cet équipement qui est nécessaire pour assurer le refroidissement du bâtiment. Je voudrais souligner qu'il est relativement facile de chauffer le bâtiment, mais il est vraiment très difficile de fournir de la fraîcheur, surtout quand il s'agit de fraîcheur idéale à la température réellement nécessaire. Nous pouvons remarquer que nous rencontrons maintenant un assez grand nombre d'employés. Le travail est en cours. Montrez-nous ce qui se passe sous le plafond. C'est beaucoup de travail. Nous ne nous arrêtons probablement pas ici, car il y a vraiment beaucoup de structures à installer. N'empêchons pas les ouvriers de faire leur travail. Bien que nous soyons venus à l'heure de la pause déjeuner, de nombreux travaux se poursuivent et ne s'arrêtent pas. Alors maintenant, nous allons vous montrer quelques images de ce qui se passe ici. Et ensuite, dans nos prochaines vidéos, nous parlerons de tous ces travaux plus en détail. Nous sommes déplacés dans les locaux que je voudrais vous montrer. La finition est presque terminée, le plafond est terminé. Vous voyez que la salle est assez spacieuse et cela nous dit qu'il y aura tout un département ici. Lequel? Je pense que vous le saurez un peu plus tard. Mais cette salle est en cours de préparation dans un rythme élevé afin que notre service puisse définitivement déménager des locaux en location au bâtiment du BTUI. En conclusion, je voudrais dire que le rythme d'exécution des travaux est maintenant directement lié au rythme des fonds reçus, c'est-à-dire des investissements. Vous voyez que nous avons pu accélérer les travaux, nous avons pu engager de nouveaux employés, de nouveaux ouvriers aussi, qui nous aident à terminer la construction dans les délais. Le jour où le bâtiment sera mis en service et où nous pourrons nous concentrer entièrement sur la commercialisation de la technologie de bobinage combiné Slavyanka approche de plus en plus. Et bien sûr, il convient de noter que parallèlement à l'exécution des travaux de construction, je dirais même l'achèvement des travaux de construction, un travail de commercialisation est aussi en cours. Nous travaillons avec des clients potentiels. Je ne dirais même pas qu'on cherche des clients. De nombreuses entreprises, y compris de grandes entreprises, se tournent vers nous car les caractéristiques techniques que nous pouvons donner à nos moteurs, en conformité au produit final de nos clients, ne peuvent maintenant être fournies par aucun de nos concurrents. La dimension des moteurs que nous pouvons obtenir, leurs caractéristiques de puissance, leur efficacité énergétique, c'est vraiment ce qui nous permet de mettre en œuvre tout ce projet et tout ce domaine.
J'espère que dans les délais à venir, nos vidéos seront plus ciblées non pas sur les résultats de la construction, mais encore sur la commercialisation. Eh bien, pour nous aider dans ce domaine, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Merci pour votre attention. À bientôt. Et merci pour la confiance que vous accordez à toute l'équipe de Sauvelmash.